HM, le cours de ce soir, il reprend un peu les habitudes. On est sorti pour HM sur ces trois semaines de cours de poème qu'on a fait exceptionnel. Et donc là, on va un petit peu embrayer ce qui se passe entre Pourim et Pessar, bien sûr. Et aujourd'hui, on va aussi reprendre notre midrash qu'on avait laissé avec la mort de Yaakov. Oui. Je peux te poser une question sur Pourim. Bien sûr. Pour finir avec bien sûr. J'ai écouté le Rav Lovitch qui disait que Vashti n'est pas allée se présenter. Non pas parce qu'elle était malade, ouais. Parce qu'en fait, c'est lui qui lui a demandé. En fait, elle était prête à y aller d'elle-même. Oui. Et le fait que lui demande. Alors, non. Il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis. Comme j'ai expliqué, il y a plusieurs avis. Et surtout, le Midrash dit qu'elle était. Donc, elle avait la lèpre, elle avait une queue et qu'elle était dégoûtante, déjà. Et que justement, quand il lui a dit de venir, elle lui a dit, je l'ai expliqué la semaine dernière, elle lui a dit comment est-ce qu'un palefrenier, il peut demander à une reine de venir se montrer devant des alcooliques. Tu te rappelles, j'en avais parlé la semaine dernière, il y a deux semaines. Oui, mais lui, Laura n'a pas parlé de ça. Chacun a son Enyan, et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la polémique, il y a un très, très gros problème avec le Rav Dinovitch, voilà, pour que tu saches, et que ce soit, le sujet soit clos, une bonne fois pour toutes, il y a un très gros problème. Beaucoup de rabbanim francophones se sont levés contre lui depuis qu'il a fait le scandale avec Torah Box, d'accord ? Et il y a certains rabbanim qui disent presque qu'il est en train de prêcher vers le catholicisme. Okay. Oh, ouais. Non. Il prêche que c'est du prosélytisme ce qu'il fait. D'ailleurs, j'ai lu un article qu'il a écrit cette semaine en disant qu'il ne fallait pas écouter les rabbanim parce que ceux qui sont cachés dans les Beit HaMidrash en train d'étudier, ils doivent être comme Mordechai, des hommes d'action qui vont sur le terrain. Voilà ce qu'il disait cette semaine. Oui, il prend un de combat. Voilà. Donc, encore une fois, je ne rentre pas là-dedans, je ne rentre pas dans le conflit avec lui. Mais voilà, encore une fois, il y a plusieurs déotes. Shivim Panim Latoran l'a déjà expliqué. Donc, il y a un rave qui va dire qu'elle avait une queue. Un autre, il va dire qu'elle avait la lèpre. Un autre, il va dire qu'elle avait des cornes. Un autre, il va dire, je ne sais pas, qu'elle s'était mal réveillée et qu'elle avait la tête de travers. J'en sais rien. Divrei Elohim Chaim, voilà comme ça qu'on dit. D'accord ? Pourquoi est-ce que tu dis que un, il va te dire, c'est comme ça, et l'autre, il va te dire, c'est comme ça. Est-ce que c'est faux ? L'un est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas faux, c'est des interprétations. Le Midrash, il sert à quoi ? Par exemple, le Midrash, qui est la Torah racontée. Comment est-ce que tu peux expliquer que sur Bereshit, il y a 70 explications rien que sur le Bet ? Alors quoi ? Il y en a une qui est vraie et une qui est fausse ? Non, elles sont toutes vraies, elles se complètent et elles sont juste différentes et complémentaires. C'est exactement pareil. Donc, d'une part, tu peux dire qu'elle était dégoûtante de Vashti, et d'autre part, tu veux dire aussi, étant donné que c'est lui qui lui a donné l'ordre, elle a refusé pour ne pas se soumettre, en fait, par Gava. Tu te rappelles, j'ai parlé de la Gava la semaine dernière, par Gava à ce que lui demandait Achashverosh. L'Echaïm, l'Echaïm. Que toutes ces paroles de Torah élèvent la Neshama de Shimon ben Rivka Bezrat Hashem. Déjà qu'il doit être bien à un bon niveau, mais encore un peu plus, Baruch Hashem, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que, comme je le rappelle à chaque fois qu'on fait une Askara, une Iloula, ou qu'on rappelle la mémoire d'un défunt à chaque fois qu'on fait un cours, il ne faut pas oublier qu'encore une fois que lui, il est dans le Olam HaEmet et donc il ne peut plus progresser de son propre chef. Et les seules personnes qui sont capables de le faire progresser, c'est nous, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants et les gens qui vont dire des Dvar Torah à sa mémoire. Et dans l'inverse aussi, Chas V'Shalom, quand ils font des mauvaises choses, ça peut aussi le faire tomber. Donc, Bezrat Hashem, nous, on est venu pour faire progresser la Neshama de Shimon ben Rivka. Donc, je pense que c'est bon. On est bien à ce niveau-là. Donc, il faut savoir qu'on a. C'est bon, Benjamin, on a fini avec ça ? Oui. Donc, on a fini au niveau de Pourim, mais on est dans une période particulière. On est entre Pourim et Pessah. Il faut savoir que nos Chachamim, ils nous disent que 30 jours avant Pessah, il faut commencer à parler de Pessah. Donc, les 30 jours, puisque le jour de Pessah, c'est le 14 Nissan. Le jour de Pourim, c'est le 14 Adar, donc ça fait un mois pile entre Pourim et Pessah. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les halakhot de Pessah, on commence quand à les dire le jour du Mishté. Pendant qu'on fait le Mishté, en général, on envoie 2-3 halakhot. C'est important. Et il faut savoir que, mais tout ça, il a commencé quand ? Il a commencé un peu plus tôt, au 14. Non, on est en 14 Adar. Il a commencé au 14. Non, Shevat.
Qu'est-ce qu'il y a au 14? 14 et 15 Shvat, c'est quoi? Toubishvat. 14, 15 Shvat, Toubishvat. 14, 15, c'est Pourim. 14, 15, Nissan, c'est Pessah. OK? Donc, c'est une continuité. Et étant donné que tout commence à quoi? Au renouvellement qui a Adam ou Etzassadé. Car l'homme est un arbre des champs. Donc, toute la dynamique qu'on va mettre dans Pessah, elle commence quand? À Toubishvat. OK? Et nos sages, ils nous disent en fait que Pessah, c'est le rabbi Avraham Azoulay qui dit ça. Il nous dit qu'en fait, Pessah, il ne commence pas le soir de Pessah. Il commence le jour de Pourim. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il aime son peuple. Vous savez très bien qu'Hachem, il nous aime. D'accord? Ou sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui. Hachem, il a beaucoup de rachman pour nous. Et comme on l'a expliqué, que Pourim, c'est l'acquisition de la Torah dans la joie. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous faire sortir d'Égypte. Puisqu'on te dit, toutes les années, il faut que tu te considères comme si tu étais toi-même sorti d'Égypte ou non. Et on dit, tu raconteras à tes enfants comment tu as été esclave en Égypte. Attends, je vis à Gami, mais on est en 2021, je n'ai jamais été esclave en Égypte. Si, tu as été en Égypte. Donc, tu revis la sortie d'Égypte. Donc, pour pouvoir sortir de ton Égypte, il faut quand même qu'Akadosh Baruch Hu te trouve des scrouillottes. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu trouve quelque chose. D'accord ? Si tu es un grand pêcheur, il va dire, mon grand, attends, ma quatre rochères, tu vas tomber. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde? Comme ça, il nous dit, Rabbi Avraham Azoulay, d'accord? Il nous dit qu'en fait, qu'à partir de Pourim, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va diviser le mois en 30, comme si c'était un gros gâteau, d'accord? Un gros gâteau. Il va couper 30 parts, d'accord? Et chaque part, il va retirer le mauvais de l'année, puisque Pourim est le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. Et Pessah, c'est le premier mois de l'année. Achodesh Azeilachem, Rosh Chodashim. Donc, selon la Torah, on va finir l'année, on va rentrer dans la nouvelle année. Donc, si on doit rentrer dans la nouvelle année, on doit rentrer comment? Propre. À Kadosh Baruch Hu, chaque jour, il enlève une partie des défauts qu'on a fait, des avérotes qu'on a fait, des mauvaises choses qu'on a dites, pour arriver, en fait, le soir de Pessah, propre et sain, pour mériter la sortie d'Égypte. Et il faut savoir que nos sages, ils nous disent que le soir de Pessah, donc le moment où on va réciter la Haggadah, vous savez que ça s'appelle l'El Shimurim. L'El Shimurim, c'est quoi? C'est une nuit qui est gardée. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que souvent, il y a dans les coutumes juives, on laisse la porte de la maison ouverte toute la nuit du Seder, oui ou non? Tout le temps du Seder, on laisse la porte ouverte. Pourquoi? Parce qu'on dit que, en fait, étant donné que c'est une L'El Shimurim, une nuit qui est gardée, ce soir-là, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de rouar. Il n'y a pas de choses qui peuvent venir faire du mal à la personne. Donc, c'est puisque c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient nous garder. Et nos sages, ils nous disent qu'il est tellement grand et fort ce jour, étant donné qu'on est arrivé sain et pur depuis Pourim, que quand on arrive le soir de Pessah, au moment où on récite la Haggadah, les 50 portes de la sagesse s'ouvrent à ce moment-là. Et le lendemain matin, elles se referment. Elle se referme. Donc, on a une soirée, le soir de Pessah particulière, et elle se referme. Mais le lendemain soir, donc le premier soir, c'est Pessah, c'est les portes de la sagesse sont ouvertes. Donc, c'est un moment de Etratson extraordinaire. C'est un moment de dévoilement divin sans limite, le soir de Pessah, puisqu'on le voit bien à travers la Haggadah. Et on voit bien que l'essence même de la Haggadah, c'est quoi? C'est de continuer cette chercherette, cette chaîne qui nous habite depuis le début. Abraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Akiva, etc. On voit que cette chaîne de Torah Tziva, l'Anu Moshe Morasha. Morasha, c'est un héritage. Donc cet héritage, il arrive même aujourd'hui. Et il faut comprendre quoi? C'est que, alors, tu as réussi à acquérir le 50 degrés de la sagesse ce soir-là. Et, donc normalement, tu devrais être un prophète. Puisqu'il n'y a aucun prophète à part Moshe Rabbeinu qui a atteint ce niveau-là. Et quel jour il a atteint ce niveau? Deux fois il l'a atteint. Deux fois il l'a atteint. La première fois, il l'a atteint au moment où il a reçu les premières tables de la loi. Il a reçu les tables de la loi, il était au 50e degré de pureté. Par contre, dès que Dieu lui a dit « Descends ton peuple, il a péché », par Parashat Ki Tissa, cette semaine, il retombe d'un niveau. Le 50e degré, c'est le plus haut niveau, c'est le Noun. Et on a dit qu'il a atteint quand ce niveau de 50 quand il est mort. Comment il y a marqué là-bas? T'as allé al-Arnevo, t'as allé, donc monte, ar,
Le Nevo Nunba. Le Nun vient, donc monte sur le 50e degré. C'est ça la mort de Moshe. Moshe Rabbeinu. Qui? Qui? Lors de la. Qui l'ont donné la deuxième fois? Non. Non, non. Alors je vais t'expliquer pourquoi. C'est une très bonne question, Patrick. Très, très bonne question. Parce qu'il faut savoir que la première étape de la loi, c'est Maase Elohim, Etzba Elohim. C'est-à-dire que les tables. Non, 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 non. C'est Dieu qui les a fournies. Et c'est Dieu qui les a écrites. Alors que les deuxièmes tables, c'est Moshe qui a fourni les tables. Et c'est Dieu qui a écrit. Non, écoute bien. Le matériau, d'accord? Première table, Akadosh Baruch Hu, il fournit. Donc, la base, les pierres précieuses qui vont servir à graver les tables de la loi. OK ? C'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui écrit. Pour les deuxièmes tables, vous êtes avec moi jusque-là ou pas ? Ouais, d'accord ? Deuxième table, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est la paracha qu'on lit les jours de jeûne, il dit à Moshe Rabbeinu, « Pesol lecha shene luchot ». Ça veut dire quoi ? Ben, tu sais quoi ? Tu vas prendre ton marteau et ton burin et tu vas aller me préparer deux tables, exactement comme les premières, mais c'est toi qui vas les faire. Donc, tu vas m'amener le matériel. Et moi, je vais graver les tables de la loi dessus. Donc, vous voyez que le niveau n'est pas le même. On a moitié Hachem et moitié les hommes. Alors que les premières, c'est tout Hachem. Donc, oui, il est descendu d'un niveau. Et puis, la deuxième fois, n'oublie pas quand il est remonté, quand il a fini tout ça, c'était quoi ? Yom Kippour. Donc, il arrive pour le jour du grand pardon. Donc, on n'est plus du tout au même niveau de la première révélation qui était censée être la Ketouba du Ham Israël. Non, la Ketouba du Ham Israël, c'était le mariage. Et étant donné qu'on l'a trahi en faisant le veau d'or, donc le mariage a été quelque part annulé. Tu as compris ? Où ? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au moment où il fait Shema Israël quand il meurt. Au moment où il fait Shema Israël quand il meurt, le jour de sa mort, comme au Shema Binou. Mais parce qu'il faut savoir que Rabbi Akiva, ce n'est pas une Neshama, pas une petite Neshama, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva, il faut savoir que quand Moshe Rabbeinu, d'accord, il a vu Rabbi Akiva, il a eu honte, ils nous disent nos sages, il a eu honte. Il a dit à Hachem, tu as un être tellement grand et c'est à moi que tu donnes la Torah, donne-lui à lui la Torah, il lui a dit. Il lui a dit, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Il lui a dit, il l'a vu expliquer les couronnes de la Torah. Il lui a dit, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Moshe, il a dit, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Rabbi Akiva. Et quand l'élève il s'est levé, il a dit, mais d'où t'as appris ça, Rabbi Akiva? Il lui a dit, à la chale, Moshe Mishinaï. Moshe s'est calmé. Il comprenait rien. C'est des niveaux différents. C'est des nitsotsot, c'est des neshamot particulières. Mais encore une fois, c'est le jour de la mort. Pas de leur vivant. Pas de leur vivant. Maintenant, il faut comprendre quoi? C'est qu'on va arriver à Pessah, ce jour extraordinaire, c'est Seder Pessah, le jour qui va remettre de l'ordre dans le monde. Seder. Ça vient du mot ordre. Quand tu dis comment tu vas, quelqu'un qui va bien, il dit quoi ? Anilo. Tu sais quoi, Anilo BCDR ? Je ne suis pas en ordre. Bah ouais, quand tu ne vas pas bien, c'est que tu n'es pas en ordre. Ou tu n'as pas la tête, ou tu n'as pas la santé, ou tu n'as pas quelque chose. Donc tu n'es pas BCDR. Donc tu ne suis pas vraiment le CDR de la création. Le soir de la Agada, Akadosh Baruch Hu remet l'ordre du monde dans le CDR. C'est pour ça que les 50e degré de sagesse, on est capable de les acquérir. Jusque-là, vous me suivez ? Maintenant, étant donné que c'est qu'un seul jour et qu'on n'a pas tous la capacité de réceptionner, puisqu'on n'est pas un Kelly à tous les niveaux pour recevoir cette sagesse de 50 degrés, d'accord ? Moi, en tout cas, je suis loin de ce niveau. Donc, on va dire, allez, peut-être tu vas recevoir un niveau, deux niveaux, pour les plus chansons, on va dire 40, 50, 40, 48 niveaux. Allez, les hyper grandes Golim, 49 niveaux. Mais après, la porte se ferme. Vous avez vu Fort Boyard ? Dépêche-toi, passe partout, la porte va se fermer. C'est pareil, le lendemain matin, il n'y a plus rien. Et donc, mince, on arrive au 50e degré de sagesse. Comment on l'a perdu ? Et là, Kadosh Baruch Hu nous dit, détendez-vous. Détendez-vous, vous savez que je vous aime. Voilà. J'ai commencé à vous aimer à Pourim, et je vais continuer à Pessah, mais je n'ai pas fini. Il nous dit, à partir d'aujourd'hui, le lendemain soir de Pessah, vous allez commencer à compter. Allez, Rabbi, qu'est-ce que tu fais ? Tu comptes le Homer. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 0. Non, ce n'est pas ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On arrive quand ? Le 49e jour. Le lendemain, on arrive à Shavuot. Shavuot, c'est quoi ? C'est le 50e jour. Donc, c'est quoi ? Matan Torah. Matan Torah, c'est quoi ? La révélation au Har Sinaï. Donc, c'est la révélation divine. Donc, c'est le niveau de quoi ? De Adam Arishon avant la faute. Donc, c'est le 50e degré qu'on atteint. Ouais. Donc, c'est ça, tout
le process en fait de toutes ces fêtes. C'est une préparation. Oui. Oui. Pourquoi ils ont péché dans le mot d'ordre et pas dans une autre faute? C'est marqué là-dedans. Je vais vous donner une petite idée pour répondre à la question. Pourquoi est-ce que les Bnei Israël ils ont fait un veau d'or? La question est de savoir pourquoi est-ce que Dafka ils ont fait un veau. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait un chien, un chameau, une tortue, j'en sais rien moi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une sculpture égyptienne? Ils vivaient en Égypte, ils étaient idolâtres. Ils auraient pu faire, je sais pas moi, Anubis, Apophis, ils auraient pu faire un sphinx. Tiens, ils auraient pu faire un pharaon. Hein, oui, un chat. Et non, ils ont fait un veau. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait un veau? Et c'est marqué donc dans le livret, dans les feuillets de cette semaine, mais je vais vous le donner quand même. C'est vrai que c'est différent quand on l'entend et quand on le lit. Ils nous disent là-bas, nos sages, que, en fait, lorsque Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Ham Israël au Mont Sinaï, à ce moment-là, ils ont aperçu le Kissé HaKavod. Et les pieds du Kissé HaKavod, ils sont représentés par quatre anges. Les quatre anges, on l'a déjà expliqué, un, il a la face d'un homme, l'autre, il a la face d'un aigle, l'autre, il a la face d'un lion, et l'autre, il a la face d'un bœuf. Et donc, ils ont voulu se rapprocher de cette moutre du bœuf. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais alors pourquoi ils n'ont pas décidé de se rapprocher de l'homme ou du lion? C'est un lion dans ces cas-là, ou de l'aigle. C'est un lion, c'est un aigle, non. Et non, alors, je ne sais plus si c'est le Zohar ou le Midrash qui nous dit, pourquoi Dafka, ils ont choisi le bœuf? Donc, ils ont fait un veau qui représente le bœuf. Pourquoi Dafka, le bœuf? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en Égypte, à la fête du Nil, donc comme on le voit dans la paracha, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha? Dans la paracha là-bas, c'était l'anniversaire de Pharaon. Vous avez vu que le seul anniversaire qu'il y a dans la Torah, c'est l'anniversaire d'un rachat. Vous avez vu ou pas? C'est terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nos sages nous disent que le jour de l'anniversaire de Pharaon, étant donné qu'il disait qu'il était le créateur du Nil, et que là-bas, donc, c'était Harry Potter puissance 1000, d'accord? Les enfants, ils faisaient de la magie noire. Qu'est-ce qu'ils faisaient les grands sorciers d'Égypte? Le jour de la célébration du Nil, ils faisaient en fait, au moment où il y avait les prières, les machins, les moines autour du Nil, pour gratifier le Nil, pour leur avoir donné la vie, ils faisaient un veau d'or ailé, avec leurs incantations, ils le faisaient voler au-dessus du Nil en sacrifice au veau d'or, au Nil, pardon. Donc, ils se sont rappelés de cet Avodah Zarah qu'ils avaient vu en Égypte, donc c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Le lien, il est là. Non, je n'ai pas parlé pour pourquoi ils ont fait un veau d'or. J'ai parlé pourquoi ils ont fait la faute d'Avodah Zarah. Pourquoi ils ont fait la faute d'Avodah Zarah? Parce qu'en fait, ils ont... Voilà, ça c'est exceptionnel. Et j'ai lu ça il y a deux semaines. En fait, vous savez combien de temps ils se sont trompés? Donc, Moshé Rabbeinu, il est monté. Moshé Rabbeinu est monté récupérer les tables de la loi. Et ils se sont, quand il est arrivé le dernier jour, ils ont dit à Aaron, Moshé, on ne sait pas ce qu'il est devenu, regarde, il nous a dit qu'il revenait, il n'est pas là, et il doit être mort. Donc nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a besoin de quelque chose qui nous rapproche à Kadosh Baruch Hu. Nous, on n'est pas capable de faire le lien avec Kadosh Baruch Hu. Moshé, il faisait le lien. C'est comme, vous savez, quand on a un marchir, on a un transformateur, d'accord? Tu as le marchir, par exemple l'ordinateur, d'accord? Ou la tablette. Tu vas avoir le câble, tu vas avoir l'électricité, mais tu as au milieu un transformateur. Parce que si tu mets directement dans la prise, qu'est-ce qui va se passer? Tout va exploser. Donc, tu as le transformateur qui va transformer, je ne sais pas moi combien il y a d'une prise, combien, je ne sais rien. 220 volts. 120 volts? 220 volts en 14, en 12 volts, merci. Par contre, si tu le mets directement, ça va exploser. Donc, ils ont dit les Bnei Israël, plutôt le RF Rav. Il a dit quoi? Il a dit, écoute, regarde, ce Moshé, il était transformateur entre nous et Akadosh Baruch Hu, donc ça nous permettait d'avoir un lien avec Hachem. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Fais-nous un Dieu qui va nous permettre de nous relier à Akadosh Baruch Hu. Donc à la base, la matara, elle était bonne. Le désir était bon à la base. Bon, après, on ne rentre pas dans les inyanim. Pourquoi, comment, quand est-ce qu'ils ont décidé de faire le veau d'or? Qui est-ce qui a décidé? C'est encore une autre étude. Il faut savoir une chose. Nos sages nous disent que, je l'ai lu il y a deux semaines, combien de temps il a eu de retard, Moshé Rabbeinu? Il a eu 6 heures de retard. Nos sages nous disent, les 6 heures de retard de Moshé Rabbeinu ont été voulues par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si vous savez qu'avant que Moshé Rabbeinu monte, il y a eu la révélation de Sinaï. Pourquoi c'est un test vis-à-vis du peuple? Réparer la faute d'Adam Harishon, qui n'a pas attendu 6 heures pour être avec sa femme et qui a fait la faute originelle. Donc s'ils avaient attendu 6 heures que Moshé il arrive, c'était fini, on revenait au niveau d'Adam Harishon et c'était la Géoula Shléma. Donc, oui, ils se sont plantés complètement.
Aaron, il ne savait pas. Hein? D'où le premier mot qu'on apprend en Israël. Savlanout, exactement. Donc, on continue. Donc, l'Omer va nous permettre de nous affiner, d'affiner l'ouverture. Chaque jour, c'est une sphira qu'on avance, c'est une sphère céleste qu'on doit se rapprocher. C'est pour ça que l'Omer, à la base, ce n'est pas une période de deuil. Nos sages nous disent que, en fait, Shavuot, il commence quand ? À Pessah. Alors, c'est quoi ces 49 jours ? Nos sages nous disent, alors, pourquoi on ne se rase pas ? Pourquoi on se lève de Rabbi Akiva, ils sont morts ? Non. Mais à la base, pendant le temple, les élèves de Rabbi Akiva, ils n'étaient pas morts, puisque c'est à la fin du deuxième temple. Non, nos sages disent, non, tu n'as rien compris. C'est parce qu'en fait, les jours qui séparent Pessah de Shavuot, c'est Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, on n'a pas le droit de se raser, pas le droit de se couper les cheveux. Donc c'est pour ça. On est dans Chol HaMoed. C'est pour ça. Donc en fait, c'est. C'est pour ça. Non, écoute bien. C'est pour ça que Shivi, chez le Pessah, on ne fait pas chez Chiyanou. Alors que le dernier jour de Sukkot, on fait chez Chiyanou, parce que c'est une fête en soi. C'est quoi la fête? C'est quoi Shmini Atzeret de Pessah? On fait Shikhyanou dans le grand douche de Pessah. Non, le premier jour. Pas le dernier. Pas le dernier. T'écoutes pas ce que je dis. Le Shevi, c'est le Pessah, le septième jour de Pessah. D'accord? À la fin de Sukkot, premier jour, on fait Shikhyanou. Dernier jour de Shmini Atzeret, on fait Shikhyanou. D'accord? C'est pas la même fête. Écoute-moi bien. C'est pas la même fête. Non, alors pourquoi Shivi chez le Pessah, on ne fait pas chez Chiyanou? Parce qu'en fait, on te dit que la fête, le Shmini Atzeret de Pessah, c'est Shavuot. Et c'est pour ça qu'à Shavuot, on fait chez Chiyanou. Vous avez compris ou pas? C'est ça le Inyan. Et que toute la préparation à la sortie d'Égypte, c'était fait pourquoi? Pourquoi on est sorti d'Égypte? Pour recevoir la Torah. Le matin de Torah, c'est Shavuot. Donc en fait, on est un Etz. Asadé, on est un arbre des champs qui va devoir grandir, faire des feuilles, se construire, se constituer pour arriver à Pourim. Pourquoi Pourim est important dans ce cheminement? Parce que Pourim, il te permet de ta matérialité sortir toute ta spiritualité. Donc, comme un arbre qui va sortir sa sève pour faire vivre ses fruits. On est d'accord? Et pour arriver ensuite à Pessah, qui est l'apothéose, puisque c'est la pierre angulaire du Ham Israël, c'est la création du peuple, d'accord? Avant ça, il n'y a pas de peuple. Hein. Il y a des enfants d'Israël, mais il n'y a pas de peuple juif. Que ce soit bien clair. Et à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte en tant que peuple, donc en tant que peuple, en étant une famille, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Vous êtes bien d'accord? La famille de Yaakov, elle ne reçoit pas la Torah. Qui est-ce qui se reçoit la Torah? C'est le Ham Israël. Et il y a une notion de Ham qu'à partir du moment où il sort d'Égypte. Donc tout ça fait que quoi? D'un individu, donc le Etz, c'est un. D'accord? De un, on est devenu un champ. Et c'est ça le but de l'histoire, en fait. C'est quoi? C'est d'arriver à, d'une individualité, arriver à transcender notre être pour devenir un pluriel. C'est tout le secret des fêtes de Toubishvat à Pessah. À Shavuot, pardon. Puisqu'il y a marqué quoi dans la paracha de Yitro? Qui est Am Echad, Imlev Echad. Un seul peuple avec un seul cœur. Quand tu arrives à avoir un seul cœur, c'est-à-dire que tu es au niveau de recevoir le matin de Torah. Donc, c'est des jours très, très importants. C'est des jours où on doit faire tchouva. C'est des jours où on doit comprendre l'importance de notre identité, de notre devenir et de savoir où est-ce qu'on va aujourd'hui. Surtout dans notre génération, dans notre problématique qu'on a aujourd'hui avec le corona, avec savoir les fêtes, comment les fêtes, etc. Et tout ce qu'on entend, c'est... Sachez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais écoutez-le bien parce que ça va vous donner une... Non, ça va vous aider à prendre les choses, peut-être voir les choses autrement. Nos sages, ils disent en ce moment, c'est une période de rigueur exceptionnelle dans le Ham Israël. On est dans le djinn. Et quand tu es dans le djinn, tu fais attention. Il faut faire beaucoup plus attention que d'habitude. Donc, il faut se prémunir, il faut rajouter de la Torah. Si on peut... enlever des choses qu'on faisait avant, on les enlève. Et faut essayer d'être propre. Parce qu'il faut savoir une chose, je sais que ce n'est pas grave ce que je vais vous dire, mais écoutez-le bien ce que j'ai lu hier. Il faut savoir que lorsqu'on fait un péché, écoute bien, Yitzhak, c'est de la chassidoute. Écoutez bien ce que dit le Admor HaZaken. C'est pas de moi, je sais que ça va être violent, mais écoutez bien et accrochez-vous. Il nous dit que lorsqu'un homme, il va fauter,
Donc, il va appartenir à la Sitra Acha. Et la Sitra Acha, c'est le côté obscur de la force. Donc là-bas, on a aussi des Mazikim, on a donc des démons, on a aussi des esprits, etc., qui sont mauvais, d'accord ? Et ils vont s'habiller, et les clipotes, ils vont s'habiller sur l'homme. Et nos sages nous disent, lorsqu'on, donc la Mourazaké nous dit, lorsqu'on va fauter, c'est comme si on avait invité le roi chez soi. Écoutez bien ce qu'il nous dit. C'est comme si on avait invité le roi chez soi, mais au lieu de l'avoir préparé le salon comme Eliaou nous l'a préparé ce soir, avec une belle table et machin, on le prend, on lui dit bah ou chaba, on l'amène dans les toilettes. Écoutez bien, c'est pas de moi, et c'est, on l'amène dans les toilettes, d'accord ? La chasse est bouchée, d'accord ? La cuvette est remplie, et on lui met la tête dedans. Comme ça, c'est marqué dans le Tania, hein, c'est pas de moi, hein, d'accord ? Et il n'y a pas d'eau pour tirer la chasse. Et après, on lui dit, Slicha, Mechila, maintenant je vais nettoyer. Et pourquoi est-ce que c'est comparé à ça ? Parce qu'il faut savoir que les clipotes, les mazikim et la Sitra Acha, elles s'appellent, écoutez bien, hein, ce n'est pas de moi, hein, je suis désolé pour ce que je vais vous dire, mais il faut le comprendre. Elles s'appellent des excréments et du vomi. Bon. Et qui se transforment en levouche pour l'homme. C'est quoi un levouche ? C'est un vêtement. C'est comme si tu t'es mis un manteau d'excréments sur toi. Donc tu sens quoi normalement ? Bah, tu ne sens pas la rose. Non, mais vous comprenez ou pas ? Vous comprenez ? C'est énorme. Et plus tu fais des mitzvot, et plus tu vas te faire. Donc je sais que ce n'est pas très agréable à entendre, mais j'ai lu ça hier soir et je pense que c'est important de le partager. Parce que même si on n'est pas au niveau, même si on n'a pas étudié, même si on n'a pas les chivas, tout ce qu'on veut, toutes les excuses qu'on veut, on a tous une neshama de juifs et on a tous besoin de comprendre qu'on fait partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu. Non seulement ça, mais on fait partie intégrante du plan divin pour le dévoilement du Mashiach Ben Rabbi Amen. Amen. Allez, on continue. Oui. Ça veut dire qu'il a dit des paroles. J'ai dit du Hémet. Vas-y. Le problème, c'est que si on considère le Ham Israël de 6 millions et quelques d'individus aujourd'hui, plus avec tous ceux qui habitent pas dans le pays, ouais. Combien il y en a vraiment qui pratiquent, qui sont au courant ou qui font. Ça, on s'en fout. Ça, Benjamin, la pratique n'est pas le plus important, la pratique. C'est pas le plus important. L'important, c'est de savoir où est la Emouna. Il faut savoir une chose. Ça tombe bien que tu me poses cette question. Avant, Gabriel, je te réponds après. Oui. Quand Israël arrive, c'est la Z. Écoute bien. Moi. Oui, mais non, mais je suis d'accord. Écoute bien, Benjamin, avant de venir, j'ai regardé des informations sur les informations françaises, là, tu sais, les sites là qu'on a. Et il disait en fait qu'en Israël, la Cour suprême a accepté de valider les conversions qui ne sont pas orthodoxes. C'est-à-dire qu'un type, il va s'appeler rabbin ou une rabbine, d'accord ? Tu vas aller la voir dans son bureau, tu vas lui donner 500 shekels, tu vas dire je veux être juif. Ok, BCDR, je te fais un certificat de juif. Comme les restaurants, certains restaurants à Tel Aviv, où ils ont un certificat de je ne sais quoi, et que ce n'est pas un certificat de cache-route, en fait, et les gens croient que c'est des certificats de cache-route. Donc le mec, c'est la Cour suprême qui est trouvée. Mais encore une fois, c'est le ministère de la religion, je le permets. C'est une ouverture plus simple à faire entrer des futurs juifs. Non, c'est un danger public. C'est un danger public. C'est le début. Écoute bien, c'est le début, Patrick, c'est le début de l'assimilation. C'est l'assimilation. Non. Qui se convertissent, c'est des guilgoules. Alors, Patrick, des vraies conversions. Mais là, on parle de conversion. Le mec, il va arriver, il veut se marier avec une meuf, hop, je suis converti. Mais c'est ça qu'on supprime qu'ils veulent faire. C'est ça que je dis. Écoutez bien, on continue. On continue. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez pourquoi c'est une très bonne nouvelle ? Parce qu'à la fin des temps, il va y avoir un tri dans le Ham Israël. Ceux qui vont faire partie des gens qui vont être sauvés, comme ça s'est passé en Égypte. Parce qu'en fait, c'est un éternel recommencement. Donc, à la fin des temps, ce qui s'est passé en Égypte va se repasser, mais beaucoup plus grandiose. Donc, ça veut dire que les gens qui voulaient sortir d'Égypte, d'accord ? Ils sortiront, ils seront reçus par le Mashiach. Les gens qui ne veulent pas sortir, ils partiront. C'est là qu'ils veulent rentrer pour les aider. Mais non, ce n'est pas des vrais, ceux-là, on ne parle pas. Les gens qui veulent faire une... Écoute bien. Les vrais, écoute pas. Alors, Patrick, écoute bien. Les gens qui veulent faire une conversion vraie, ils vont orthodoxe. C'est tout, ça s'arrête là.
Il y a... Mais ça veut rien dire. Je veux dire, ça veut rien dire. Rabbinique. C'est un mot pour dire des gens, des vrais rabbinim. Oh, bon, d'accord, orthodoxe. Mais ça ne veut pas dire Meharchi Harim. Ça ne veut pas dire. Rabbinique. Bon, regarde. Patrick, pour te donner un exemple simple, d'accord, c'est une conversion par le Beit Din ou une conversion par. Comment elle s'appelait cette synagogue-là? À Copernic. T'as compris? Mais c'est ça que je te dis. C'est ça qu'ils veulent faire. Ça veut dire que tu vas à Copernic, tu dis bonjour, je veux être juif. Ok, mais c'est des juifs. Allez, salut. Hop. Les gens qui veulent vraiment se convertir, les gens qui veulent vraiment se convertir, c'est pas ça. Ouais, il y a un travail. Ouais, 500 shekels, 500 euros peut-être. Non, ah, le musicien, oui, c'est vrai. J'ai invité Goldman. Arrête, je t'en supplie. Alors, non, il n'y a rien à Copernic, Patrick. Il y a juste des tocards. On va du gazoil, là. Avec la il a fait sa barbe, il a tout fait. Et je l'ai revu quelques années après. Ses enfants, lui, marié avec lui, il m'a invité à la barbe de ses enfants. Je ne sais pas si c'est autre chose. Je lui ai dit, il a très bien compris. Et il a fait la barbe de ses enfants à côté de lui. C'est-à-dire que c'est Goy. Non, t'es ouf ou quoi? Goy, tu es toi. D'accord, ouais. Mais il n'y a pas de travail, Patrick. Bon, on passe. Donc, non, mais pourquoi? Écoutez, pourquoi je suis très content de ce qui arrive? Pourquoi je suis très content de ça? Vous êtes avec moi, messieurs? Pourquoi je suis très content? Parce que le bureau est en train de se faire, le tri est en train de se faire. Ceux qui vont être avec le Mashiach, donc avec la du Borou, ceux qui vont partir du Ham Israël. Et le Erev Rav, il va enfin être révélé. Vous savez ce que nous disent nos amis, qu'à la fin des temps, le Erev Rav, comment il sera habillé en péote avec des chapeaux et des barbes. Et il vivra dans des villes comme Mehar Shaharim, le Erev Rav. Il va tromper le monde, mais à la fin des temps, quand le Mashiach il arrive, il ne peut plus tromper qui que ce soit. Eh bien, ils tomberont. Parce qu'ils voudront tromper. Parce que, vous savez quoi? Parce que En Davar Omed Lifna Ratson, il n'y a rien qui peut contrer la volonté. Et comme il y a marqué dans la Gemara, où l'homme il veut aller, eh ben Dieu il l'amène. Si tu veux monter, il va t'emmener, donc il va t'emmener vers un vrai grave. Mais si tu veux faire du Talwid. Est-ce que tu as vu ça, Marianne, que la Mashiach, c'était un cours que j'ai écouté il y a un mois de ça, il y aura tout à peu près. Après, hier, avec ce qui s'est passé à Mehar Shaharim, j'ai vu les images de ce tracé qui lui cassait. Oui, non. Aussi. Alors, je viens des enfants, je dis, regarde, ils se sont partout. Et la haine, de Rotsea. Bien sûr. Bien sûr. Mais tu as raison. Et j'ai dit, l'humain à Malé. Mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils disent nos Chachamim. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais, Eliaou. Le nombre de problèmes qu'il y a avec les rabbanim de YouTube. Vous savez ça ou pas? Rabbanim YouTube. Une horreur. Vous savez ce que ça veut dire, une horreur? Celui-là, c'est des gens qui ont ramené des gens en tchouva de ouf. Hein. C'est des gens qui ont ramené des dizaines de milliers de personnes en tchouva. Hein. Et les gens, ils se crachent dessus comme des voyous. D'accord? Et il y a des rabbanim spécialement à l'Etivot. D'accord? Là-bas, il y a une équipe de choc. D'accord? C'est la Dream Team. La Dream Team là-bas. Hein. Peut-être les super-héros là-bas. Eux, c'est des fou furieux, ils s'appellent rabbanim, c'est que des voleurs. Et je mâche mes mots. Hein. Ouais. Les mecs, attendez, écoute bien. Ouais, mais écoute bien pourquoi c'est une équipe. Pourquoi bien c'est une équipe de super-héros, d'accord? Est-ce que tu as déjà vu un raf qui se fait appeler le laser, toi? Est-ce que tu as déjà vu un raf qui se fait appeler le scanner? Depuis quand un raf il a un surnom? Et pourquoi pas Mary Poppins aussi? D'ailleurs, une de leurs sœurs, d'accord, qui est une rabbanite, elle s'appelait la Borérette, celle qui fait le tri, d'accord. Et l'autre, il s'appelle quoi, Wolverine? On est où, là? On n'est pas dans les X-Men, je veux dire, il faut arrêter, d'accord. Et les mecs… Même les femmes, tout le monde est rabbanite. Tout le monde, les rabbanites. Aujourd'hui, il y a des rabbanites, il y a des rabbanim, il y a des super rabbins, il y a des mekoubalim. Ah, c'est simple, hein. Vous allez sur YouTube aujourd'hui, il y a des mekoubalim dans tous les sens. D'accord. Celui-là, il fait enlever les dibukim. Celui-là, il fait enlever la inara. D'ailleurs, moi, j'en ai vu un, là, il n'y a pas très longtemps. Il a une association, d'accord.
il a le Zohar devant lui, il parle avec des femmes, la meuf, elle n'a pas la tête couverte. Oh, je vois que tu as des problèmes. Je te jure, tu vois ça, mais tu te dis, mais c'est un rachat, celui-là. D'accord ? Et l'autre, le Djiboukim, là, une vidéo sur YouTube, hein. C'est un grand, genre un grand rave. D'accord ? Ah, t'as dit avec les avec gens. Le, genre avec les Djiboukim. Normalement, un Djiboukim, c'est hyper dangereux, d'accord ? Donc, c'est un esprit qui est rentré, et quand il sort, c'est hyper dangereux parce qu'il peut rentrer dans quelqu'un d'autre. Donc, il faut qu'il n'y ait personne à côté de lui. Il y a 50 personnes autour de lui, il ne faut pas qu'il y ait de femmes aussi. Attends, écoute, il ne faut pas qu'il y ait de femmes. Et là-bas, il y a une femme, donc la mère genre du jeune homme qui est exorcisé, d'accord ? Elle est là, comment elle est habillée ? En jean et sans qu'il souille. Non, mais attends, dis-moi. Et le rabbi, il est à côté d'elle. Limite, s'il ne tient pas la main, il ne fait pas un câlin. Il faut arrêter. Il faut arrêter le délire, quoi. Mais c'est normal. C'est normal. Exactement comme il nous a dit Eliaou. C'est Amalek, c'est la fin des temps. Ça s'appelle Alma des Chikra. Oui, mais alors celui qui fait ses chouba et qui voit ça du jour au lendemain, non, il non, non, non. Parce que comme Patrick, comme déjà j'ai expliqué beaucoup, beaucoup de fois, quand tu fais chouba, il faut que tu fasses chouba avec un rave. Par contre, si tu cherches le miracle, combien de fois moi j'ai eu. Attends, écoute, je le sais, je travaille avec le rave Israël, donc je le sais. Non, non, non. Écoute, alors, les gens t'appellent, d'accord, parce qu'ils ont un problème. Donc, la femme, elle t'appelle. Oui, écoutez, j'ai des problèmes, ma fille, ma truc. Bon, BCDR, j'envoie au rave. Donc, le rave, il a une vision qu'on n'a pas, d'accord ? Le rave, il lui dit, d'accord ? Donc, il me donne la réponse. Il lui dit, madame, le rave a demandé que vous fassiez plus attention à la tzniout et à Shabbat. Il a dit là-bas, parce que c'est Mekor Aberacha, et la tzniout, c'est l'essence même de la femme. Donc, grâce à cela, vous allez avoir de la Yeshua. Tu écoutes ça, tu dis, ben, OK. Je vais appliquer. Attends. Ah, mais je suis tsanoua. Ah, mais je fais Shabbat correctement. Mais dites-moi, il ne vous a pas donné un truc à faire ? Je lui dis, écoutez, madame, si vous voulez, comme ça, je lui dis, hein, si vous voulez un magicien, trouvez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas des magiciens, les mecs ! Ce n'est pas des magiciens. Non, mais c'est vrai. Et même, je lui dis, tu sais que je lui ai dit au Rav ça. Ouais. Cette tirage que j'ai eu, je lui ai dit au Rav, il m'a dit, tu as bien fait. Il m'a dit, je ne suis pas un exorciste, il m'a dit. Qui on est ? Où on va ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Tu veux chercher la facilité, tu veux chercher le fil rouge et les incantations, va voir un indien, je sais pas, mais va pas voir un rave. Un rave, c'est data Torah. Donc, c'est fait vérifier tes tefilines, vérifier tes mitzvot, fait Shabbat. Tout est marqué dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas marqué il faut que tu fasses la ségoula de manger de l'étrogue en tenant sur un pied. C'est des conneries, tout ça, excusez-moi du terme. Il faut arrêter de chercher les ségoulottes. Tu sais ce que c'est la plus grande ségoula ? Je vais te répondre. La plus grande ségoula que tous nos chachamim ils ont donné depuis la nuit des temps, ça s'appelle la tfila. C'est tout. Exactement. La tfila, c'est la plus grande ségoula. Maintenant, c'est sûr que si le mec qui fait sa tfila en jouant à Candy Crush ou en étant sur WhatsApp, bah, il pourra faire la ségoula de WhatsApp, peut-être. Je ne sais pas, ça existe, mais bon. Voilà. On continue, messieurs ? J'ai répondu à vos questions ? J'ai répondu à la question ? Non, je ne sais pas. C'est quoi la question ? Si tu dis que même la magie noire, c'est Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé ? Ah, bah, c'est comme pourquoi il a créé les Tzarara. Pour te donner le libre arbitre. Pour te donner le libre arbitre. C'est quoi ? C'est très rafraîchi. Non, c'est les excréments. Ah, parce que c'est simple. Bah, c'est comme tout, d'accord ? Tu peux aller, quand tu vas manger, tu peux aller manger dans un restaurant propre ou tu peux aller manger dans un restaurant sale. À toi de décider. Tu vas aller manger dans un truc dégueulasse. Vas-y. Dieu te dit, tu fais ce que tu veux, mon fils. Voilà, en ce moment. Bon. C'est important, je pense que quand on fait Tchouva, ouais. Il faut savoir sur un qui suit les gdolés. Bien sûr, bah oui, parce c'est que, sûr. Et s'il y a des rabbanim qui se disent truc, mais ils s'en foutent de ce qu'ils disent. Malheureusement, beaucoup de rabbanim aujourd'hui, c'est leur. Daratatimot, ça s'appelle. Ça veut dire quoi ? Ouais. Les mecs, ils refont une Torah. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre une fois le Shulchan Aruch et puis ils vont dire. Franchement. Alors là, on tombe très bien. Vous savez, je vais vous raconter un truc. Écoutez ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ma femme me dit, écoute, comment est-ce qu'on fait Pessah cette semaine parce que cette année, parce que c'est compliqué, ça tombe samedi soir. Elle me dit, la voisine du dessus, elle m'a demandé. Oh, la voisine du dessus, la pauvre, elle essaie de faire Shabbat, elle essaie de faire le pain. Elle essaie. Bon, elle n'est pas dans les nids de la pauvre. Baruch HaShem, elle pose des questions à ma femme. C'est-à-dire que bon, Baruch HaShem, elle est dans le bon kivoun. Et elle a dit, voilà, j'ai demandé à une copine et la copine, elle a demandé à son rave. Ah ouais. Écoutez bien la réponse, vous allez tomber par terre. Écoute bien Daniel. Hein. Il est où, t'es avec nous ? Wow. Écoute bien la réponse qu'il lui a dit le rave. Écoute bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, mais non, on ne fait pas Pessah samedi soir cette année. Pessah est repoussé à dimanche. Oh. Je lui ai dit... Je lui dis, t'es sérieuse ? Elle me dit, ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je crois qu'elle est fou. Et je lui dis, j'aimerais juste qu'elle me donne le numéro de son raf que je puisse l'appeler, quoi.
C'est des fous, les mecs, c'est des fous. Et c'est exactement ce qu'on va venir voir juste après le Midrash. Vous allez comprendre. Non, mais oui, exactement. Exactement. Non, on ne rit pas. Oui. Ils profitent sur des faibles. Les faibles, ils se font plus influencer. Mais oui, mais oui. C'est comme... C'est comme, c'est comme certains rabbinim. Mais oui, mais c'est comme certains rabbinim entre guillemets aujourd'hui, ils ont leur arrière-grand-père ou leur grand-père qui était vraiment un mekoubal, d'accord. Ils vont photocopier un truc de leur et ça arrive beaucoup hein, aujourd'hui. Ils photocopient le truc, ils photocopient. Ben attends, c'est pas ils écrivent un caméa. Ils photocopient le caméa du grand-père. Ils vont écrire le nom dessus par le trou de mon grand-père, par le trou de ma grand-mère et par le trou du vendeur de shawarma. Tiens, vas-y, allez, hop. Lis trois Ave Marie et je vous salue Marie et c'est bon. C'est des ouf, c'est n'importe quoi. Olam Hasheker. Et on a dit Elionim, Tartonim, Tartonim, Elionim. C'est-à-dire que la fin des temps, avant l'avènement du Mashiach, le haut il est en bas et le bas il est en haut. C'est comme ça. C'est le monde à l'envers. Exactement. Tu as compris. Et le celui qui va être sauvé, c'est qui? C'est celui qui tient bon. Rav Tzadka disait, c'est l'ancien Rosh Yeshiva de l'échelle de Pratiosès, le premier Yeshiva Sfaradit en Israël. Il disait qu'à l'époque du Mashiach, il y aura des rabbanim comme du grain de sable. Comme des grains de sable. Ouvre YouTube. Le mec qui a étudié une ligne de Gemara, des mecs, ils ont fait rien. Hein. Ils ont rien. Ils sont vides, les mecs. Hein. Vides. Moi, j'ai parlé avec ça, avec mes collègues. Hein. Mes collègues, je vous explique, c'est des talmides chachamim. D'accord ? C'est des grands Torah. Je parlais avec un, je lui dis, mais je ne comprends pas. Les mecs, ils étaient comme si, hein, ils étaient, on ne va pas rentrer dans la polémique, hein, ils faisaient ça, ça, ils faisaient ça, ça, ils faisaient ça, et tout d'un coup, ils sont rabbanim, on les appelle Rav Shlita, machin. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi, ces types-là, c'est des dangers publics, c'est des bombes à retardement, il m'a dit. Il m'a dit, tous les gens qui vont faire tchou avec ces types-là, ils vont tomber. Parce que, en fait, ce qu'ils leur donnent, c'est rien, puisqu'ils sont vides à l'intérieur. Le Rav Yoram Abarjel Zichrono Livracha, vous savez ce qu'il disait? Et lui, ce n'était pas un tocard, hein, je vous assure, ce n'était pas un tocard. Hein. C'était pas un tocard, hein. C'est pas parce que je travaille avec son fils. Hein. Moi, je l'ai découvert, depuis que je travaille avec eux, je l'ai découvert un soir, je ne le connaissais pas bien. Je peux vous assurer que sa Torah, c'est du lourd. À émettre à fond. Hein. Le type, il avait sur lui des millions de shekels, hein. Des millions de shekels. Hein. Les gens lui donnaient des millions de shekels, il vivait dans un HLM. Hein. Non, mais ça va. Okay. Non, mais c'est-à-dire que ouais, tout l'argent, il reversait, il en prenait pas. D'accord, il n'en prenait pas, il ne prend rien. Ouais. Il dormait 3 heures par nuit. C'était un gadol atzoum. Et tu prends sa Torah, elle est émette. Elle est magnifique, sa Torah. Moi, ça m'a que grandi, cette Torah. Si elle grandit, la Torah, c'est qu'elle est émette. Et il disait que lorsque quelqu'un, il est vide et qu'il va enseigner la Torah, bah, la seule chose qu'il va donner à l'autre, c'est du vide. Et s'il donne du vide à l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire tomber. Les rabbanites, il dit qu'une femme, elle ne peut pas être rabbanite. Pourquoi elle ne peut pas être rabbanite? Parce qu'elle n'a pas de chokhma. Eh ouais, une femme n'a pas de chokhma, elle a la bina. Attends, c'est pas la chokhma, elle n'a pas d'intelligence. Elle n'a pas le niveau de chokhma. Le niveau de toi ou le niveau mouchani. Laisse-le passer. Elle n'a pas le niveau chokhma. Elle n'a pas le niveau chokhma, donc elle ne peut pas être rabbanite. Et puis elle n'est pas assujettie à la halakha. Une femme, elle ne peut pas. Mizmat Garaman Shim Torot. D'accord? Les femmes, elles ne font pas les mitzvot qui dépendent du temps. D'accord? Donc comment est-ce qu'elle peut donner à la race si elle ne peut pas me faire les mitzvot? C'est comme si un esclave, écoutez bien ce qu'ils nous disent dans Fahamim, le Rav Yoram dit ça aussi, c'est comme si un esclave, il a l'enseigné la Torah, comment peut-il l'enseigner la Torah, il n'est pas sujet aux mitzvot. C'est comme si un katan, il allait te donner un cours de Torah, il n'est pas sujet aux mitzvot. Il ne peut pas. C'est comme si tu vas dire à quelqu'un, d'accord, ne fais pas ça et toi tu le fais. Est-ce qu'il va t'écouter? Jamais de la vie. Vous comprenez? Donc il faut une logique dans tout ça. C'est ce qu'on va voir juste après. Si vous me laissez arriver, si vous me laissez arriver au Midrash, Bezrat Hashem ce soir, on va y arriver, Bezrat Hashem. On y est bon? Vous êtes avec moi encore? Yala. Donc on a vu la dernière fois qu'on avait Midrash avant Pourim que Esav, il avait décidé donc de casser les pieds aux enfants de Yaakov pour interdire à Yaakov d'être enterré dans la Marata Merpala en lui disant c'est ma place. Il a enterré Léa, il avait concentré lui. C'est pas mon problème, d'accord? Et donc, il y a eu une guerre, Milchemet ben Esav neged ben Yaakov, une guerre entre les enfants de Esav et les enfants de Yaakov. Une guerre très dure, elle a éclaté entre les enfants d'Esav et les enfants de Yaakov, juste après l'enterrement de Yaakov. Pourquoi? Parce que les enfants de Yaakov, ils ont tué Esav. Lors de cette guerre, je découvre en même temps vous le savez bien, lors de cette guerre, les enfants de Yaakov, ils ont gagné.
Et ils ont tué 80 enfants d'Ésav. Les enfants de Yaakov, il n'y a pas eu un seul mort. Les enfants d'Ésav, ils ont vu qu'ils perdaient. Ils se sont sauvés. Et ils ont laissé là-bas 50 personnes qui sont restées avec les enfants de Yaakov. Et il y avait là-bas qui ? Tsepho ben Eliphaz, ben Ésav. Le petit-fils, en fait, de Ésav, il est resté avec eux. Le petit-fils de Ésav. Les enfants de Ésav qui ont réussi à se sauver Non, il a été pris en otage, pardon. Le fils d'Ésav, le petit-fils d'Ésav, il est en train de ça. Les enfants d'Ésav qui ont réussi à se sauver dans leur contrée. Pendant l'année païenne de Yaakov. Oui, ils ont enterré donc là-bas Ésav. Donc ils ont enterré Ésav après. Donc c'est pour ça que Rivka, elle a dit, et je ne veux pas vous perdre le même jour. Vous savez qu'elle a dit ça. Et on dit que la Gvoura, c'est comme la mort. Le jour où la personne est enterrée. Et donc, en fait, Yaakov et Ésav, ils ont enterré même. Oui ou non? Puisque la tête de Ésav roulait dans la mer Adamapela au pied de Yaakov. Donc, la tête qui était le plus important, elle était enterrée en même temps que Yaakov. On continue. Donc, ils ont enterré leur père, Ésav. Et après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé tous les grands combattants de Séir. D'accord? Les enfants de Chor et les enfants de Kedem. Et ils sont descendus en Égypte pour battre les enfants de Yaakov et pour sauver en fait les 50 personnes qui avaient été prises en prisonniers par les enfants de Yaakov. Yosef, il est sorti vers les combattants. Lui et ses frères et tous les grands combattants de l'Égypte. Et ils leur ont mis une tannée. Une grande tléha. Ils ont tué là-bas, ils ont fait un carnage. Et il y en a, et bien sûr, ils n'ont pas réussi à sauver les prisonniers. Et Tsepho, en fait, Tsepho, le fils d'Éliphaz, il est resté en Égypte et il est devenu esclave. Non seulement, donc, ils ont pris une tannée. Et quand ils sont revenus donc en Séhir, le Midrash lui dit quand ils sont revenus à Séhir, ils ne sont pas plus reposés parce que là-bas, ils ont subi une deuxième attaque. Ils se sont battus en fait, et ils se sont battus en fait avec d'autres peuplades, d'accord? Et il gagnait au début les enfants de Ésav, jusqu'à qu'il arrivait le roi d'Afrique. Non, pardon. Au début, les enfants de Ésav, ils perdaient. Sauf quand il est arrivé le roi d'Afrique, il les a aidés dans leur guerre. Et là-bas, les enfants d'Ésav, ils ont réussi à gagner la guerre qu'ils ont eu à Séhir. Et ils ont pu récupérer et leur pays et leur bien. Voilà ce que nous dit le Midrash. J'aimerais qu'avant Pessah, qu'on finisse le deuxième tome, si vous le voulez bien. Il nous reste 3-4 pages. La semaine prochaine, je voudrais qu'on finisse tout le Midrash, si ça ne vous dérange pas. C'est rapide, d'accord? Allez, on va finir sur notre moussard de la semaine. Il faut savoir que dans la paracha Tetzavé, la paracha qu'on a lu samedi, on a une phrase qui est très bizarre quand on la lit de but en blanc. Une phrase qui nous paraît pas normal. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, je voudrais que tu nous sois juste. C'est marqué comme ça. Kol chachmei lev, asher me'elativ, ruach chokhma. Et puis loin, il y a marqué Ve'asu et Bigde à Kohen. On va traduire, il y a marqué là-bas. Hachem, il a dit à Moshe, choisis-nous des hommes sages, chachmei lev, qui ont un cœur sage, asher me'elativ, ruach chokhma, que je vais les habiter de ma sagesse pour qu'ils puissent faire les habits du Kohen Gadol. Donc, les habits du Kohen. Donc, vous savez que le Kohen normal, il avait 4 habits qui sont le pantalon, le t-shirt, la ceinture et la toge. D'accord? Il avait une espèce de... On va appeler ça le chapeau du cuisinier, d'accord? Je ne sais pas exactement comment on appelait ça. Une toque, merci. Et le Kohen Gadol, il avait 8 habits. Il avait les 4 habits qu'on vient de dire, plus il avait
le Meïl, qui était un manteau, un beau manteau bleu. Il avait le tzit, c'était une plaque en or où il y avait marqué Kodesh Lachem, d'accord ? Kodesh Lachem, c'est-à-dire qu'il est sanctifié pour Hachem. Il avait le Ephod, non, le Ephod. Le Ephod, c'était une plaque en cuivre, en or, qui était donc avec des bretelles sur ses habits. Et par-dessus le Ephod, il y avait le Rochel Mishpat. Donc, quand le Rochel Mishpat, c'était les pierres précieuses, avec, c'était l'ancêtre du SMS, qui disait là-bas, Aleph Bet Gimel, il te donnait un message. Et la question qu'on peut se poser, c'est que dans cette phrase, il y a quelque chose de pas normal. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut dire « Choisis-nous des hommes qui ont la sagesse de cœur que je vais remplir de sagesse. » S'ils sont sages de cœur, comment est-ce que je peux les remplir de sagesse ? Je vais donner la sagesse à des gens qui ont la sagesse. Vous trouvez ça normal ? C'est bizarre. Ils sont sages, pourquoi tu veux leur donner la sagesse ? Ça paraît bizarre. Vous avez peut-être que le cœur, mais pas la force main. Eh ben non. Non, c'est pas ça. Écoutez bien ce que nous disent nos chachamim. Ils nous disent que à Kadosh Baruch Hu, il ne marche pas comme nous les hommes. C'est une chochma qui est beaucoup plus grande que nous. Il dit que Chochmat lev, Tiani noten laem chochma, dit en fait, je peux donner la sagesse qu'aux personnes qui ont acquis la sagesse. Alors, de quelle sagesse on parle ? Est-ce qu'on parle de philosophie ? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a lu beaucoup de romans ? On parle d'un philosophe, d'un génie en écriture, non ? Ou on parle de sagesse de Torah ? On parle bien sûr de sagesse de Torah. Et en fait, Akadosh Baruch Hu te dit que c'est valable pour la sagesse. Et pour tout. Akadosh Baruch Hu te dit, tu veux recevoir de moi, donc tu veux que je te donne, ben fais un récipient. Deviens le récipient. Et celui qui va pouvoir recevoir la sagesse, c'est qu'il a un keli de sagesse. D'accord ? Donc il faut qu'il soit déjà plein de sagesse pour recevoir la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Et quelqu'un qui n'a pas de sagesse, Akadosh Baruch Hu ne peut pas lui donner. C'est comme dans la paracha Be'alotra, avant la paracha de Nassau, on voit là-bas, Aaron à Cohen, il est triste. Parce qu'il ne fait pas de korbanot. D'accord ? On a les douze nassis des tribus qui font les korbanot. Et le Midrash nous dit là-bas, Aaron, il est triste. Pourquoi tu es triste ? Je ne comprends pas. Attends, tu as été nommé Kohen Gadol. Pourquoi est-ce que tu es triste que les princes des tribus ils font un korban ? Allez, c'est bon, t'es le boss, toi. Tu as été nommé Kohen Gadol. De toi, ils vont être tous les Kohanim. Tu vas servir dans le Beth Amikdash. Pourquoi tu es triste ? Et nos sages, ils nous disent quelque chose de fantastique. Et c'est ça, le Inya de Kol chokhme lev, shani me maltiv roi chokhma. Il nous dit que au niveau de toutes les choses, comment est-ce qu'on peut remplir une chose ? Il faut qu'elle soit vide, d'accord ? Si tu veux remplir une bouteille ou un verre, il faut qu'il soit vide. Si le verre il est plein, qu'est-ce que tu vas remplir ? Il va déborder, d'accord ? C'est comme quand tu vides une bouteille, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va se remplir de quoi ? De vide. D'air, oui, pardon, excuse-moi, d'air. Donc, mais c'est quoi qui a fait qu'elle se remplit d'air ? C'est le fait que tu l'es vidée. Quand elle est pleine, elle ne se remplit pas d'air. Et donc, en général, ce qui est vide se remplit. Et nos sages, ils nous disent, sauf en Torah, c'est l'inverse. Ce qui est plein se remplit. C'est-à-dire que Aaron à Cohen, il avait atteint un tel niveau qu'il était plein, il était rempli. Il devient Cohen Gadol, c'est le frère de Moshe Rabbeinu. C'était avant Moshe, le Gdolador, imaginez le niveau, hein. C'est lui qui tient le Ham Israël avant que Moshe devienne le libérateur. Donc, ce n'est pas un Tokar Aaron, ok ? Premier Kohen de l'histoire, qui va donner la lignée des Kohanim jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas un petit joueur, on est d'accord. Et il est triste parce qu'il ne fait pas un Korban. Pourquoi ? Parce qu'on te dit qu'au niveau de la Torah, plus tu es rempli et plus tu as envie de te remplir. Ce n'est pas comme les bêtises. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vide, il va se remplir de quoi ? Il va se remplir de bêtises, il va se remplir de télé, il va se remplir de films, il va se remplir de substances illicites, il va se remplir de... Il va combler en fait. Ah oui, bah tu sais, je fume du shit parce que je ne suis pas bien dans ma tête. Je regarde des trucs dégueulasses parce que bah, tu sais que ma femme, ce n'est pas bien. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a là-bas, ce type ? Il est vide ? Oui ou non ? Il est vide ou pas ? Mais qui est-ce qui va créer ce vide ? Qui ? C'est toi-même. C'est toi-même. Tu vas te mettre en position de vide. Donc, tu invites en fait dans ce vide qui ? Le Yetzer Hara.
Le monde, il est fait zé le umadze. Yetzerara, yetzeratov. Plus tu es vide, qu'est-ce qui prend ta place? Ben, yetzerara. Quelqu'un qui est vide, ben, yetzerara, il ne va pas le faire fauter. Le yetzerara, il ne fait pas fauter, attention. Hein. Le yetzerara ne fait pas fauter. Il fait des propositions. D'accord? Il va te donner l'envie, par exemple, de rester au lit parce qu'il fait froid dehors. Ben, ben, t'as loupé, créa tchema. C'est pas grave. Et puis, il va te faire passer dans un endroit où il y a un restaurant taref. Il ne va pas te dire « mange pas taref », il va te faire passer. Et toi, avec la bonne odeur. Et toi, ça fait 6 heures que tu n'as pas bouffé, que tu n'en peux plus. Et tu es à Brest, il n'y a pas de, de restaurant cachère, d'accord ? Tu es en voyage d'affaires, il faut que tu manges. D'accord ? Et au lieu d'aller à Carrefour t'acheter une baguette et un boîte de thon, tu te dis « c'est Mina Shamaïm que le restaurant, il est là. Je vais manger un poisson, c'est cachère, je vais manger une dorade, la dorade, c'est cachère, je vais manger une bouillabaisse. Non, c'est... non, dans la bouillabaisse, ils mettent tout ce que tu veux, la bouillabaisse. D'accord ? Ou c'est comme l'autre qui va dire, regarde, ça ne va pas avec ma femme. Mina Shamaï, ma nouvelle secrétaire, on a flirté ensemble il y a 20 ans à Sinaï. Elle vient de divorcer. Si ce n'est pas Mina Shamaï, il te fait pas fauter. Il te donne des propositions. Et toi, tu dis quoi ? Ma parole, c'est Mina Shamaï. Mais non, c'est pas Mina Shamaï. Vous avez remarqué quelque chose ? C'est que vous avez remarqué, en général, quand tu fais une avéra, bah, c'est bien. Pourquoi ? Parce que le Yetzirah, il n'a pas besoin de lutter avec toi. Pourquoi ? Parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens. C'est-à-dire que, non, mais c'est pas ça. Non, tu es avec lui. Il te donne la main. Donc, pourquoi il va se lutter avec toi ? Par contre, ben, c'est ton meilleur copain. Par contre, quand tu es de l'autre côté, eh ben, il va venir te chercher. Allez, viens, viens. Non. Mais si tu es plein comme Aaron, eh ben, tu te remplis encore. Et plus une personne elle apprend la Torah, plus elle a envie de faire quoi ? Ben, plus elle a envie d'apprendre la Torah. Quelqu'un qui apprend la Torah, je vous parle de la Torah Lishma. Hein. Je parle de quelqu'un qui étudie la Torah vraiment. Pas quelqu'un qui va regarder le journal, qui va lire le petit hebdo et qui va dire j'ai lu la parasha de la semaine, attends. J'ai lu le Mafzir et franchement, je suis calé dans la parasha cette semaine. Arrête, Babalazi, t'as lu le petit hebdo. Il y avait la pub de la télé, c'est pas grave. Hein, t'as lu la parasha, longtemps, t'as dit que t'as commandé la télé. C'est vrai, bah, malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous savez ou pas ? C'est un drame, ça. C'est un drame. Écoutez bien, les gens qui étudient la Torah, les gens qui sont dans la Torah, les gens qui avancent dans la Torah, et même si tu es loin, mais les gens qui ont décidé de faire teshuva. Une teshuva, c'est quoi ? C'est pas de dire j'ai fait teshuva. Allez, bon, bah, c'est cool, j'ai fait teshuva. Demain, je vais aller me mettre un costume de pourim, d'accord ? Je vais me laisser pousser les guirlandes, une belle barbichounette, je vais mettre une chemise blanche et je prends un livre et je me balance. Malheureusement, il y en a beaucoup qui font teshuva comme ça. Teshuva, ça vient du mot lachouv. Lachouv, ça vient du mot ishouv. Ishouv, ça vient aussi de achavat. Ok ? C'est quoi tout ça ? Teshuva, c'est une réponse. Tshuva, c'est un retour. D'accord ? Non, un retour. Lachou, c'est revenir. Revenir. Ishou, c'est quoi ? C'est un endroit, makom. C'est un endroit où tu te poses. Et Ashavat, c'est restituer. C'est quoi Ashavat Aveda ? Vous connaissez Ashavat Aveda ? Ashavat Aveda, c'est quand quelqu'un a perdu quelque chose. Tu fais Ashavat Aveda. Tu vas rendre un objet perdu. Donc, un objet perdu, c'est quand tu as perdu ta neshama dans les affres de toutes ces saletés. Bah, à un moment donné, il faut que tu la ramènes à son propriétaire qui s'appelle ni plus ni moins que Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Lui, il te l'a donné nickel, propre, chrome. Je te dis, toi, je t'ai choisi. Allez, vas-y, je t'envoie sur terre et fais-moi et va voir ce quoi tu es capable. Et toi, tu dis, t'arrives et tu dis, oh, franchement, non, c'est trop dur. La vérité, les juives, elles sont sous l'an, franchement, il y en a marre. Elles veulent la carte bleue, elles veulent le Shabbat. La Goya ne demande rien, c'est lourd. Et la cache-route, franchement, le lait, la viande, 6h, 5h, McDo, franchement, ça va, c'est un fiche, il y a juste le fromage. Il n'est pas taref, le fromage. Non, mais ce n'est pas grave. Tu es passé sur Bichoul Goy et tout un tas de trucs qui ne sont pas cachards, mais ce n'est pas grave. Le fromage et poisson, c'est le combat. Non, mais ce n'est même pas que le fromage et le poisson, avec le Bichoul Goy, c'est un sourd. Bon. Et toi, tu dis non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est Mehoudar. Écoute, regarde. Je ne fais pas la Torah Mehoudar, je fais les Bediavad. J'ai le droit de manger le fiche. Non, tu n'as pas le droit de manger le fiche, mais c'est pas grave. Et donc, à un moment donné, il va demander des comptes.
Et quand tu vas devoir lui ramener ta neshama, au lieu de lui ramener ta neshama qui est remplie d'excréments, pour lui ramener propre. Donc tu te dis quoi ? Encore une fois, le tzaddik, ce n'est pas celui qui est à un niveau et qui ne bouge pas, non. C'est celui qui tombe cette fois et qui se relève. C'est-à-dire quoi cette fois ? C'est une façon de parler. Hein. On ne dit pas cette fois, c'est pas après cette fois, c'est bon, t'es mort. Le Baal HaTanya, il nous dit quoi ? Il nous dit, n'essaye. Écoutez bien ce qu'il nous dit le Baal HaTanya, d'accord ? Lui non plus, ce n'est pas un rigolo. Hein. Il nous dit, tu as dû l'étudier ça, Yitzhak, il nous dit, ne vous considérez même pas comme un tzaddik. Et ne vous considérez jamais comme un rachat. Essayez seulement d'arriver au niveau du Benoni, du moyen. D'accord ? Et pour le Baal HaTanya, quelqu'un qui est moyen, c'est quelqu'un qui n'a jamais fauté, mais qui n'a pas encore réussi à retirer le Yetzer Hara de lui. Vous avez vu le niveau ? Non, c'est possible. Attention, Patrick. Il dit que tout le monde peut devenir Benoni. Il dit que tout le monde peut devenir un Benoni. Mais écoutez bien, et ça c'est extraordinaire. Kol Chachmelev, écoutez bien. Non, il est en toi, mais tu ne peux pas retirer. Écoutez bien ce que nous apprend la paracha de la semaine, Tetzaveh, les Big Day à Kohanim. Vous savez que chaque habit du Kohen Gadol, il avait la capacité de faire le tikkun d'une faute. Par exemple, le Meil, le manteau, il avait la capacité de faire le tikkun du Lashon Hara. Pourquoi Meil ? Parce que là-bas, il y a marqué dans le Passouk, être pia Meil. Pia Meil, c'est la bouche du Meil. Depuis quand on dit la bouche d'un manteau ? Tu as déjà vu, toi, je mets la bouche de mon manteau. Non, il n'y a pas de bouche. Parce qu'en fait, c'est sous-entendu, il faisait le tikkun de la parole. À la personne. Hein ? À la personne. À la personne qui faisait du Lashon Hara. Le tzitz, machin, le tzitz, étant donné que c'était sur le front, c'était le tikkun des mauvaises pensées. Bon, vous avez compris, des mauvaises choses liées aux femmes. OK ? Et donc, il faut comprendre que s'il a dit à Moshe Rabbeinu, choisis-nous des hommes qui sont remplis de sagesse, ça veut dire que pour faire les habits du Kohen Gadol, pour être dans la Gdusha, il faut que tu te mettes en condition d'être dans la Gdusha. Ça veut dire que si tu veux être habité par Akadosh Baruch Hu, si tu veux être habité par la Shrina, si tu veux être habité par ton judaïsme, bah, il faut que tu commences à être un juif. Donc en fait, est-ce qu'elle est contemporaine, la Torah ? Plus que ça encore. Elle nous habite jour après jour. Quelque chose qu'on a reçu au Mont Sinaï il y a plus de 3000 ans, au jour d'aujourd'hui, en 2021 de l'ère vulgaire, tu l'as dit ce Shabbat et tu dis, écoute mon fils, tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être une neshama juive. D'accord ? Tout le monde n'est pas juif, vous êtes bien d'accord ? Donc si on a été choisi, encore une fois, ah bon, il y a d'autres niveaux qui disent que ce n'est même pas lui qui nous a choisi, c'est nous qui l'avons choisi. D'accord ? Même si on dit Asher Bachar Banu, mais c'est lui, c'est nous qui avons dit Naase Vinishma. Donc c'est nous qui avons décidé de le prendre comme Dieu, puisqu'on aurait pu lui dire comme Esav, non, on n'en veut pas de ta Torah. On aurait pu dire comme Ishmael, dis-moi, oh, et la mobilette, je vais la voler, moi. On aurait pu le dire. Qu'est-ce que je vais m'embêter avec ton lait et ta viande ? Laisse-moi tranquille ! Il y a une blague comme ça qui disait quand Akadosh Baruch Hu, il a donné les dix commandements, il a dit les commandements, et le septième commandement, c'est tu ne commettras pas d'adultère avec les, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. D'accord ? Et là-bas, ils lui ont dit, on est d'accord pour tout prendre, mais barre le sept, c'est pour ça que maintenant, quand on fait un sept, il y a une barre au milieu. Comme ça, c'est la blague. Mais il faut comprendre une chose. C'est que tu veux être un Ben Israël, tu veux être choisi par Akadosh Baruch Hu pour vivre la Géoula. Celui qui va accueillir le Mashiach, qui va voir Moshe Rabbeinu, attention, c'est pas n'importe quoi. Imagine le truc, c'est que Mashiach, il arrive. J'avais entendu une fois un cours comme ça, c'est que les Gdolim, ils n'attendent pas 40 jours pour Triat HaMetim, ils n'attendent pas 40 ans. Il y en a qui disent 40 jours, il y en a qui disent 40 ans, d'accord ? Ils se relèvent tout de suite. C'est-à-dire que Mashiach, il arrive, Moshe Rabbeinu, il arrive, Aaron, il arrive, Amram, il arrive, Yosef, il arrive, Avraham, Yitzraki, Yaakov. Comment tu veux être en mesure de te trouver devant ça ? Ou tu meurs sur place, ou tu as réussi à atteindre le niveau qu'il fallait pour accéder. Non ! C'est-à-dire que faire ce que tu as à faire, bien sûr, même si tu n'es pas capable d'arriver au niveau d'un gadol, mais au moins, tu arrives à ton niveau. Et à partir du moment où le dévoilement divin se fait, donc le Mashiach, il arrive, il n'y a plus de Astara. Akadosh Baruch Hu, il n'est plus caché. Donc, étant donné que Akadosh Baruch Hu, il n'est plus caché, tu es habité par la Shrina, oui ou non ? Donc, si tu es habité par la Shrina, tu n'as plus de limite. Donc, tu es capable de te tenir devant Moshe Rabbeinu. Tu es capable de te tenir devant Abraham Avinu. Tu es capable de te tenir devant Yitzhak et Yaakov. Et tu es capable de te tenir devant
le Mashiach. J'ai préparé. Tu es préparé. Donc, quel que soit le niveau que tu as atteint aujourd'hui, c'est là que Mashiach va te prendre. Ce n'est pas après, puisqu'après, c'est fini. Donc, le but, c'est quoi? C'est d'arriver au maximum de ton potentiel. Ce n'est pas de savoir pourquoi tu n'as pas été Rav Steinman, pourquoi tu n'as pas été Rav Ovadia Yosef, pourquoi tu n'as pas été Rav Eliashiv. On s'en fout de ça. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Oh, ben moi, si je n'arrive pas à être un grand rave, eh ben, je ne suis rien. Ou bien, ben, je veux bien être Sanoua, les filles qui disent, je veux bien être Sanoua en hiver. Mais en été, laisse-moi aller à la plage. Ou les mecs qui disent, d'accord, le samedi, je vais à la synagogue. Mais samedi soir, c'est la teuf en boîte. Non, mais c'est vrai. Ou bien, les mecs, il y en a certains, ils vont étudier, d'accord, ils font la semaine, ils font leurs études, tout va bien, il n'y a pas de problème. Les vacances arrivent. Bon, cette année, c'est un peu compliqué avec le corona, mais il y en a, moi, j'en ai connu des comme ça. Hein. Les mecs, juillet, ils sont à la yeshiva, d'accord, des yeshivotes francophones, par exemple, comme il y a avec le Rav Rancheria, qui reçoit beaucoup de gens de Roule, d'accord. Les mecs, ils font un mois d'yeshiva, et puis le mois d'après, en août, donc, bah, ils sont perdus à Tel Aviv, les mecs. Ils sont perdus à Tel Aviv. C'est-à-dire qu'ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils sont bourrés tellement qu'ils sont déchirés. Mais c'est incompatible. Ça va pas. C'est incohérent ce que tu fais. Donc, le but aujourd'hui, dans le bilboule dans lequel on vit, ce n'est pas d'être un tzaddik le plus important, c'est d'être cohérent avec ton service divin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé de servir à Kadosh Baruch Hu, sers-le. Tu n'es pas encore prêt. On va donner un exemple. Bon, d'accord, ça fait 40 ans que tu regardes la télé. T'es pas encore prêt de lâcher la télé? Ok. Et ben tu sais quoi? Tu regardais des films avec des fois des scènes pas terribles. Et ben au moins maintenant regardez Chasse et Pêche. J'en sais rien, c'est un exemple. Doucement, enlève. Comme les types qui fument pendant 40 ans, d'accord? Bon, à moins qu'on leur annonce qu'ils soit ils arrêtent, soit ils crèvent. En général, ils arrêtent tout de suite. Mais en général, ils sont sevrés. Ah oui, je fume un paquet par jour. J'ai fumé 25 cigarettes. J'ai fumé 15 cigarettes. Oui ou non? Moi, bon, sevrage, doucement, d'accord? Tu étais habitué à dire du lashon hara sur Facebook, et ben arrête de dire le lashon hara sur Facebook. Tu étais habitué à critiquer les autres, arrête de critiquer, arrête de faire sortir du mot shemra de ta bouche. Doucement, d'accord? Sevrage. Et au moment où Mashiach va arriver, c'est vrai que tu n'auras peut-être pas atteint le niveau du dévoilement divin, mais étant donné que tu auras fait l'effort de travailler pour Hachem, tu seras capable de quoi? D'être pris par la main par le Mashiach. Pourquoi? Parce que, écoutez, le plus grand secret du judaïsme, et ça, c'est énorme pour réussir dans le service divin, et c'est énorme pour avancer dans sa tchouva. Et moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement. Chez le juif, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'effort qui compte. Donc, quand tu es, écoutez bien ce que disent nos sages, hein, ce n'est pas de moi, quand tu as tout fait pour faire une mitzvah, et que tu n'as pas pu la faire pour X raison ou Y raison, parce que tu n'avais pas la force, parce que tu n'as pas arrivé, parce que tu étais encore trop faible au niveau de ta tchouva, parce que, etc., X raison, et bien, Akadosh Baruch Hu, il te donnera le sahar de ton effort. Comme si tu avais réalisé la mitzvah. Par contre, pour une avéra, c'est que si tu as fait la avéra. Sauf une seule avéra. Une seule. Avodah Zara. À partir du moment où tu as pensé à faire Avodah Zara, c'est comme si tu avais fait Avodah Zara. Donc, en fait, pour les mitzvot, c'est l'effort. Pour la vera, c'est que tu l'as fait. Donc, ça veut dire que le mec, il va dire « J'ai envie de manger une côte de porc. J'ai envie de manger une côte de porc. » Le mec, il se répète ça pendant une semaine, d'accord? D'accord? Il n'a pas mangé la côte de porc. Eh bien, il n'est pas puni. Le mec, il dit « Moi, je me levais tous les matins, Bezrat Hashem, tfilin, tous les matins. » Le type, Roser Bichouva, on va prendre un exemple comme ça, d'accord? Les tfilin, je prends sur moi. Et le type, ben, un jour… Je ne sais pas, la nuit, il a travaillé toute la nuit, il est défoncé, le matin, il ne se réveille pas à l'heure, pas scratché mal, il finit mal, il est en retard, il va les mettre à 5 heures, ou bien, bon, il n'a pas pu les mettre. Oh, bon, il n'a pas mis cette filine, c'est vrai, mais il a fait l'effort de les mettre la veille, et le lendemain, il va faire l'effort de les mettre. Le surlendemain, il s'est encore planté, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il va considérer qu'il a mis cette filine tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il lui aura montré qu'il a fait l'effort. Et le secret pour réussir à faire ça, c'est quoi? Non, ce n'est pas la foi, c'est la volonté. Parce qu'un juif, et c'est ça qu'il disait le Rav, Chaim Sitrik, Zichrono Livracha, et moi, c'est cette phrase qui m'a marqué et que j'ai gravée en face de moi. Un juif, il doit pas, il disait comme ça. Un juif, il ne doit pas attendre ce que le monde va lui amener, mais il doit se demander ce que lui
il va amener au monde. Pourquoi ? Et pourquoi ça ? Parce que il faut chacun de nous se dire Bishvili Nivra et Olam. Parce que le jour où t'es venu sur terre, Akadosh Baruch Hu a dit le monde que j'ai créé depuis la création du monde, il attendait que toi ce jour-là. Et il ne peut pas continuer à vivre si tu n'es pas venu sur terre. Et si tu as fait ta mission, tu as construit le monde. Si tu n'as pas fait ta mission, tu as détruit le monde. Donc, la question que tu te poses aujourd'hui, c'est est-ce que je veux construire le monde ou est-ce que je veux détruire le monde ? Baruch Adonai Elohim. Amen ve amen.